c'est pas un jour de fête, c'est un jour de lutte. Et donc, c'est important de faire ensemble un cortège qui soit sur l'offensive, on va dire. En tant que féministe, nous, on est donc on est très liés à toutes les luttes de travailleurs et travailleuses parce que, justement, toutes ces réformes-là, retraite, anti-migratoire, ça touche toujours encore plus les femmes parce que les femmes sont plus dans la précarité, sont plus... En danger, en plus de monde à charge. Donc voilà, pour nous, c'est des occasions ultra importantes d'être là, quoi. Je pense que le 1er mai va peut-être être une occasion pour se retrouver encore, pour se relancer la semaine prochaine et encore après, à continuer à faire du spell, à faire des nouvelles actions pour essayer de... Enfin, même si, en fait, ils vont jamais... visiblement vouloir nous entendre parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus, mais je trouve ça beau de voir la détermination avec laquelle on continue, quoi.